l'appel à candidature. En fait, il y en a un deuxième donc, qui ouvre. Là, on va recruter une deuxième promotion de Startup du Tremplin qui sera lancée début janvier. Il sera ouvert pendant un peu plus d'un mois, 5 semaines. Et à la suite de cet appel à candidature, on va recevoir une centaine de dossiers. C'est en tout cas ce qu'on a reçu l'année dernière, 105 dossiers exactement. Ces dossiers, on va les traiter en deux phases. La première phase, c'est qu'on va les étudier, nous, avec nos partenaires, avec les membres fondateurs du Tremplin, et on va faire un comité de lecture. Ce comité de lecture va nous permettre de sélectionner les 30-35 dossiers qui nous paraissent les plus intéressants et que l'on veut voir de visu. Et ensuite, on va organiser 5, 6, 7 sessions d'une demi-journée à chaque fois. On va faire venir 5 startups dans la demi-journée. On va leur demander de se présenter en un quart d'heure. Et ensuite, il va y avoir un quart d'heure de questions-réponses. Et à l'issue de ces comités de sélection, on va choisir la dizaine, la quinzaine peut-être de startups qui feront partie de cette deuxième promotion. Le comité de sélection est composé de ParisenCo, bien entendu, du Tremplin, mais aussi bien sûr des partenaires membres fondateurs et de professionnels du secteur du sport, de personnes dont on pense que l'analyse est pertinente. On recherche par exemple toujours à avoir des financiers, des leveurs de fonds, des business angels qui apportent aussi un regard pertinent sur le business model et sur leur volonté ou non d'investir dans ce type de startup. Ça nous permet aussi d'avoir un regard un petit peu différent, nouveau et pertinent. En tout cas, j'invite toutes les startups du sport à minima s'inscrire et se référencer sur notre site, puisque toutes les startups peuvent se référencer sur letremplin.paris. Et puis derrière, c'est aussi en connaissant ce qu'on fait, en venant peut-être voir des animations ici, assister à des conférences, ça vous donnera sûrement l'envie de candidater. Et l'appel à candidature est ouvert à tous, donc je vous invite à nous rejoindre.